Hey, bonjour à tous les manias. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une vidéo de Nose. Ça faisait longtemps. Bon, il n'y avait pas grand-chose en ce moment, donc pas. Voilà, je trouvais toujours un ou deux films, mais bon, pas énormément grand-chose pour filmer, donc voilà. Donc, là, petit arrivage de dessin animé, pas mal. Donc, en DVD, il y avait Happy Feet 2. J'avais le premier, j'avais adoré le premier, donc le 2, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, les nouvelles aventures effrayantes, les aventures effrayantes de Scooby-Doo. Donc, je suis fan, enfin, j'adore. Ensuite, un petit coffret édition limitée de Red Son, Superman. Il y a le Blu-ray DVD et une petite statuette. Donc, les DVD, c'était 1 euro. Là, c'était 2 euros. Donc, ça a le coup, hein. Il n'y a rien à dire. Et ça, pour 4 euros, Storks. Donc, Seagun et compagnie. Voilà, un petit dessin animé bien mignon, je pense. Donc, en 4K, hein, ça vaut le coup. Il y en avait 3, donc il n'y en avait pas beaucoup dans mon dose. Plus. En caisse, donc là ils avaient mis ailleurs ce coup-ci, parce que normalement tous les DVD ils mettent ensemble, mais là non, ils avaient mis ailleurs. Un coffret collector, Batman Collection pour 23 euros. Donc dedans on a la BD Killing Joke, enfin le comics, pardon, le comic book culte de Batman The Killing Joke, et puis pas mal de films. On va aller ça tout de suite. Déjà. J'ai jamais eu de comics, hein. C'est la première fois de. Mais j'ai hâte de le lire. Ça a l'air bien sombre, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, dedans, hop. Bon, la boîte est basique, hein, mais plutôt sympathique. Donc là, on retrouve le modèle devant. Dedans, quand on ouvre, on trouve le dessin animé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc Batman The Dark Knight Returns, le partie 1 et partie 2, les bonus. On a Batman Year One, Batman Killing Joke, Batman Red Hood sous la masque rouge, Batman Year One. Donc là il y en a deux. Ah, c'est le disque bonus. Ensuite, c'est assez épais, hein, les pages. Le fils du Batman. Donc là c'est le bonus. Batman et Robin, Batman mauvais sang, et voilà. Donc franchement j'ai hâte de les voir, parce que en comics j'en ai jamais vu en dessin animé. Ouais non, à part la série qui passait Batman, voilà, qui était superbe. Hein. Pour tous les amoureux de Batman, je pense que la série était nickel. Mais voilà, donc pour les collectionneurs, bah, foncez à nous en ce moment. Allez, peace.